Allez. Ah. Ah. Je suis morte. Comme une merde. Ça commence bien. Ah oui, c'est le boss. What? Ouais. Mais non mais. Vraiment, putain. Oh putain. Être épileptique, hein, je te le dis direct, hein.
j'arrive. Voilà, j'ai un bonus pour un peu de temps. C'est quoi? Je reste appuyé. Ah non, pardon, je l'ai dit aussi. Aïe, il est sérieux? Bon, alors lui, je ne sais plus comment il fonctionne. Je sais que sa main comme ça qui est pas en haut et vous voyez comme ça.
monter là-haut pour aller détruire ce truc là. Oh non, non, chouchou, non. Oh là là, ça va me tuer. Allez, allez. Pose-toi, punaise. Mais j'y peux rien là, c'est bon, arrête. C'est quoi ce bruit? Des bugs, simulateur qui m'a chié. Allez, on va essayer d'y aller sans toi, ne t'accroche pas. Viens juste en volant. Évidemment, on peut en faire l'autre côté. Hein. Qu'est-ce qu'il fait là? On va répondre la terre. Ah, d'accord. Voilà. Je sais pas, on va voir. Bon, bah c'est là. Reste en haut. Pas plus en haut. Il me garde vraiment pas longtemps. Hein.
Hé. Ouais, j'ai plus de mana. Oh non. Allez là. Je sais pas comment tu fais mais spam A, enfin spam oui c'est A. Oui, hein. Bon, on fait du premier coup celui-là. Hein. Putain. Comment tu fais pour mais jouer? Je ne sais pas. Mais t'es trop sur le bord. Voilà pourquoi je suis en bas là. Au bout de ma vie. Qui me dis-tu? Voilà, c'est toi. Non, si tu m'as volé, t'es dans la merde. Ah. Bon, il est midlife, hein, c'est fini, bien sûr. Mais c'est dégueulasse là, ses pieds. Où je suis où là? Mais oui, mais entre le boulet et la service que je représente, et la session est une d'épilepsie pour nous. Voilà. Tout dépend de nous. Si on ne l'arrête pas maintenant, il va tout détruire. Ok, je suis avec toi. Pourquoi? Pourquoi je continue à accepter ça? Et je veux le cristal. On s'en fout, il va encore me drainer de toute façon. Par là. Celle-là, on... Il a pas... Ah si, je crois qu'on peut la taper celle-là.
Allez, essaye de claquer des mains. Laisse-moi tranquille. Dernier. En haut, studio. Heureusement que j'ai regardé, hein. Ton pouce, hein. Vous voyez, j'ai regardé ton pouce. Écoute. On va faire plus simple. Haut, gauche, bas, droite. D'accord ? Ouais. Ignitus. Jeune dragon. Tu ne cesseras jamais de m'étonner. Nous n'avions jamais perdu l'espoir que tu reviendrais. Ignitus s'en est assuré. J'aurais dû revenir plus tôt. Je vous ai tous abandonnés. Mais ça ne se reproduira pas. Spyro, tu as fait bien plus que quiconque pourrait en attendre d'un dragon de ton âge. Ce qui importe, c'est que tu sois ici maintenant. Et plus important, que tu sois revenu avec tes compagnons. Eh bien, ce n'est pas vraiment comme si j'avais eu le choix. Vu que nous étions attachés ensemble. Intéressant. Je ne connaissais pas ça. Mason, qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai jamais vu une telle chose. Elle porte la marque du mal. Probablement créée par Malfort en personne. Je crains que nous ne puissions jamais la retirer. Quoi? Mais il doit y avoir un moyen! Comment pouvons-nous riposter si on nous force à combattre comme ça? Spyro, Cinder, vous vous en êtes bien sortis jusqu'à maintenant malgré cela. Ne considérez pas cette chaîne comme une gêne, mais comme un rappel du lien qui vous unit. Vos destins sont entrelacés désormais, et c'est un signe d'espoir. L'équilibre penche de notre côté, Ignitus. Peut-être que cette victoire marquera le tournant de la guerre. J'aimerais le croire. Citoyens de Warfang, félicitations. Vous serez les premiers à assister à la résurrection des Destructeurs. Et à la fin du monde. Malfort. Qu'est-ce que c'est? Le Destructeur a commencé son voyage pour former un anneau d'annihilation. À la fin de son périple, la ceinture de feu se répandra à la surface du monde dans un torrent de feu et de cendres. Aucun échappatoire ne sera possible. Le Destructeur... Mais c'est impossible. Ignitus, je ne comprends pas. Moi non plus. Les anciens pensaient que cette créature apportait la naissance d'un nouveau monde. Tu vois, ça a l'air plutôt sympa. En détruisant l'ancien. Oh. Le monstre va trop vite. Nous ne pouvons pas le rattraper. Se lancer à sa poursuite est inutile. Alors nous attendrons qu'il revienne. Et nous l'intercepterons avant qu'il ne termine son cercle. Nous devons passer sous terre si nous voulons avoir l'avantage de la surprise. Et de plus, c'est notre seul espoir d'être en place à temps, sans permettre à Malfort d'apprendre que la ville a été abandonnée sans défense. Je
Ces portes ont été construites pour sortir de la ville, pas pour y retourner. Elles doivent être ouvertes de l'intérieur. Spyro, Cinder, nous allons rassembler les troupes aux portes principales. Nous comptons sur vous pour les ouvrir. Mais vous devez faire vite. Le temps joue contre nous. Talon qui me rentre dans la cuisse en fait. Mais assume un coup. Oh, ça s'appelle le micro. Fais bisous. Et là, on dirait que Cinder elle est joufflue. Parce qu'elle l'est. Elle est pas joufflue, Cinder. Ah, je me souviens de tout. On dirait Spyro plus grand, mais en fait c'est pas lui, c'est justement le méchant. Je ne sais plus combien il faut en prendre, donc on va en prendre deux dans le doute. Elle part mon doute. Mais attends, quoi ça? Droite. Ouais, c'est ce que j'ai fait, sauf que ça a posé le truc. Lâche ton fais carré gauche bleu X et tire moi non de ce côté dans la droite. Tu as raison, j'avais passé à chercher de la vase. Where is... Ah, il est là. Tu peux tomber. Je
feignant, toi. Doucement, avec il y a des runes là. Vas-y, ça parce que moi j'ai de la. Non. Je te le laisse. Non. Si c'est très chiant. Non. On va prendre ton mana. Les diables sur la vie au plus. Ah oui. Il y a un trou là. Attends. Il faut voir un truc. Là. Une clé sur 4. Une belle mâchoire à V. Une mâchoire à V. Je veux mon mana. Putain. Tourbillon.
va voir si on a vu là. Il y a du liège là. Ah ok, je sais ce que c'est. Je crois que ça va être la première fois qu'un élément de terre va te servir. C'est bien un truc qui manque. J'espère expirer et être plus. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas maintenir ça. Non, donc il faut que tu descends. Toi, tu vas te balancer et avec l'élémentaire, tu vas faire comme ouais, okay. De... Non. Mais c'est toi, tu descends pas là. Tu fais faire n'importe quoi, mon dragon. R2. Ouais, tu sautes. Et tu sautes. Oh, c'est trop comment. La bonne. Ah, je crois que c'est les tiens celui-là. Ouais, c'est. Ah, ça te fait peut-être une panoplie complète là, non?
à son tempo. Ouais, on ne dit jamais Fury. C'est vrai. C'est pas trop. Je suis en train de... C'est bon ? Élément, ouais. Ouais. Je suis plutôt amélioré ça. Il est vraiment chou. Hein. Voilà, ça c'est plein de notes. Mais arrête. Allez, on remonte. Et tu sais pas voler, toi, hein? Ah non, tu sais pas voler. Oh, il va être chiant. Comment je vais faire pour... Ah! À droite. Encore! Oh, mais fais gaffe ton mana, hein, moi je redescends. Mais non! Stop, arrête, stop, arrête! Tu sais que t'as pas besoin de le faire tout le long, tu le fais au moment où t'arrives. Maintiens. Oh mon dieu. Comment tu choisis ton cristal? Oh merde. What the fuck? Regardez, si jamais.
Il y a un cristal. Oui, j'ai vu, mais je suis en train de faire la pendule. Oh, il a un mur. Oh, un casque. Et c'est bon quoi? Et c'est bon moi. C'est vrai que ça m'intéresse. Non, moi, c'est pas quoi. Mais il n'y a aucun mob question pour l'instant. Si, l'étourdissement pour eux, c'est quand tu te prends un coup et t'as ton perso qui fait ah comme ça. Ah, d'accord. C'est vrai que la régénération de vie, c'est cool. Allez, mon loup. Ah!
monde à ton avis. Pour moi. J'étais sur le dispo. Ouais. C'est de ouais. Et je fais l'éolienne quoi. De feu. C'est toi qui va allumer, hein. Moi, je peux pas allumer. Moi, je prends un petit peu. Maintiens A. Non. Si tu tournes, tu vas pas y arriver. Là, t'es au niveau, donc essaye de. Tiens, tu vises. Non. Là, maintenant que tu es en bas, tu vises la porte. Bon, en fait, si je tourne mon perso, tu vois, ça fait ça. Non, tu lâches, tu relâches A. Tu relâches A. Oui, relâche. Et oui. Ah, ok. Compliqué là, non? Tu voles et tu. C'est pas bon. Ah, t'as juste besoin de la toucher avec le feu, ok? T'as besoin de la forcer. Là-haut maintenant. Non mais fais le balancier hein. C'est bon. Tu fais n'importe quoi et ça marche. Mais quoi? Mais comment ça s'est fait? Moi, je fous. C'est qui là qui gueule?
Mais... sur un mur et que tu le chopes, le mec il t'annule la tête. Ouais, l'électricité. Mais je maintiens, hein. Non, tu maintenais pas. Si, si. Bon, stop, stop. Ça a ouvert quoi? T'as vu que ça a ouvert quoi? Oh bah je voulais mon mana mais merci. Allez salut, je me casse. Moi je suis morte. Mais non, je trouve rien. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse. Tu ne tombes pas dans le chaud, hein. Donc là, tu me charges. En visant un minimum. Et tu me tires. Vers la gauche. Apparemment, nous n'avons rien oublié.
amélioration de mana pour toi. Tu vas être contente. Ouais. Si, en bas. Non, mais je crois que c'est l'étage en dessous. Attends, on va prendre la clé. Tu peux la prendre ? Ou pas ? Bah, vas-y, je vais la prendre. Attends, je vais la lâcher. Mais fais un effort, prends le vortex. Rien. Comment il marche ? Nous approchons. Mais lui, il est drogué. Je sais à quoi tu penses, Spiro. Ne t'inquiète pas, jeune dragon. Nous réussirons. Je ne comprends pas. Malfort veut tout détruire. Et tu sembles si calme. Je ne pense pas que Malfort ferait tant d'efforts. S'il ne se sentait pas menacé. Mais pourquoi ? Tout au long de notre histoire, il n'y a eu que deux dragons violets connus. Comme Malfort, tes pouvoirs vont bien plus loin que tu le penses. Il le sait. Malfort pourrait accomplir ce qu'il veut, mais il a choisi le mal. Et le monde est tombé dans la spirale du chaos. Ton existence, c'est un moyen qu'a trouvé la nature pour rétablir l'équilibre. Mais les ancêtres pensaient que Malfort allait être différent. Ils croyaient en lui, et regarde ce qui est arrivé. Malfort tire son pouvoir de la destruction. La destruction, c'est tout ce qu'ils connaissent, Spiro. Et pourquoi serais-je différent ? Parce que je te connais. Et que ton cœur ne le permettra pas. Parce que je crois que tu es destiné à faire de grandes choses. À amener un nouvel âge. Un âge de paix. Et que je ne vois pas quel rôle la destruction aura dans cet âge.